Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui risque d'être un petit peu longue car aujourd'hui on va parler du tout nouveau GAN, le GAN 14 que j'ai pris en version UV. Alors pourquoi un peu longue? Parce que j'ai pas envie de faire juste un unboxing. C'est du GAN, c'est de la qualité, ce sont des cubes que j'aime beaucoup. Et surtout, il parle de 1296 possibilités différentes de réglage. Donc là maintenant je vais déballer, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite je vais prendre le temps d'apprendre à bien le régler, voir quels sont ces différents réglages, histoire de vous faire une vidéo où je sais de quoi je parle. J'ai vu certaines vidéos de certains reviewers très connus qui déballaient ça, qui faisaient 3 turns avec et qui disaient ce qu'ils en pensaient. Je vois pas comment sur un cube pareil on peut donner son avis alors qu'il y a autant de réglages sans les peaufiner, sans les tester, sans voir ce que ça apporte, ce que ça change. Donc moi je vais bien apprendre à m'en servir et je reviendrai plus tard une fois que j'aurai appris à m'en servir pour vous montrer comment ça se règle et j'en profiterai peut-être pour dire ce que j'en pense même si ça reste quand même aléatoire car je vous rappelle que c'est un peu personnel, hein, chacun son feeling. Alors moi je suis un peu impatient parce que GAN c'est quand même des cubes que j'apprécie énormément. Pas réussir à l'ouvrir aujourd'hui, j'ai du mal. Voilà, ils ont été, quand j'ai repris le cube là, il y a quelques années, c'était la sortie du GAN 12 et depuis GAN 12, GAN 13 ont été mes mains jusqu'à la sortie du Tornado V3 Pioneer. Ça c'est mon hybride, pour ceux qui suivent mes vidéos savent pourquoi je dis qu'il est hybride. Alors j'ai pas trop d'espoir sur le fait de changer mon main parce que ce Tornado je trouve tellement exceptionnel, je disais à Thierry ce matin, je me demande si... J'ai pas eu une version un peu particulière parce que ce cube-là, je le trouve vraiment énorme. Enfin, c'est mon feeling à moi, c'est parce que moi je le trouve énorme que vous le trouverez énorme. Donc, ce cube GAN 14 me vient de chez Atocube et il est dans les 80 euros. C'est déjà un effort car ils ont baissé un peu leur prix. Alors, ça reste quand même excessivement cher, hein, 80 euros pour un Rubik's Cube, mais le GAN 13 sortait à 90. Donc, il y a déjà un petit effort. Au niveau du packaging, voilà, la boîte est jolie. Et apparemment, ça s'ouvre sur le côté, comme ça. Allez, on se retrouve avec une petite carte avec un numéro. Ça doit être le numéro de série du Rubik's Cube. Ce matin, j'ai unboxé le Tornado V3 édition limitée. C'était le numéro 1701, le mien, parce qu'il n'y en a que 2743, je crois, de créés dans le monde. Là, si c'est les numéros... 1 405 789. Alors, je ne sais pas s'ils en ont fait autant dans le monde, ça paraît énorme, mais pourquoi pas. Des petits QR codes pour aller vers leur Instagram. On va commencer par la boîte. On retrouve le poche pour ranger son cube. Ouais, je crois que c'est la même que celle qu'il y avait dans le GAN 13. Enfin, je note rien d'étonnant. Et ça va être intéressant. Alors, un petit truc Cube Station. Il y a peut-être un truc à gratter pour gagner. Je sais pas trop quoi dans l'application. Je m'en sers plus, moi. Je m'en suis servi à un moment. Voilà. Donc ça, c'est le manuel d'utilisation que je vais bien peaufiner pour regarder et voir tout ce qu'on peut faire avec ce GAN 14, pardon. Ça, c'est l'outil de réglage. J'ai pu voir un peu, parce que j'ai eu la chance ce matin chez Atocube de tester le GAN 14 de Thierry. On a fait quelques réglages. C'est pas mal pour régler les centres. Un outil sympa. Et la boîte. Alors, ceux qui me connaissent savent à quel point je trouve que les boîtes sont toujours chez GAN au top. Et là, c'est encore le cas. La boîte est très belle et ça a l'air d'être solide, qualitatif. Ils ont rajouté en bas, on ne sache pas trop pourquoi ils ont fait ça. Donc l'outil de réglage, un des outils de réglage. Et il y a la possibilité de changer les aimants des coins. Il faudra que je regarde. Il me semble que Thierry m'a dit que ceux-là étaient les aimants les plus forts. Donc moi je vais peut-être garder ceux qui sont déjà dessus parce que j'aime bien quand c'est pas trop fort les aimants. Donc ça ils ont mis dessous, c'était peut-être pas la peine parce que c'est pas un truc qu'on va changer tout le temps. Et la boîte, voilà. Bon, c'est du GAN, c'est du UV. Le cube sorti de boîte est magnifique. Si je le compare avec le GAN 13, alors on est exactement sur la même dimension. Donc si je compare à du Tornado, ça va être un petit peu plus grand. Donc ça, je ne sais pas vous,
Si vous aimez les cubes plus petits, moi j'aime bien un petit peu plus petit, mais bon, ça me dérange pas non plus outre mesure. On va regarder un petit peu les pièces. Hop. Alors ça, déjà une nouveauté du Gun 14, il y a des réglages d'aimant sur les arêtes. Les pièces sont différentes. J'en vois que ici l'aimant est beaucoup plus long. Sûrement qu'en le réglant ici, ça doit le rapprocher ou pas. Je vais essayer de ne pas les mélanger quand même. Ça serait ballot. Et au niveau des coins, on se retrouve quand même avec des pièces très différentes hein, d'un cube à l'autre. Donc pour en revenir à certains reviewers que j'ai pu voir où ils disaient en sortant de la boîte que le Gun 13 et le Gun 14 ils étaient identiques, il y avait le même feeling. Déjà vu les différences au niveau des pièces, ça me paraît bizarre. Bon, alors moi je vais le lubrifier, essayer de potasser les réglages, faire des résolutions avec. Au niveau du feeling, on se retrouve effectivement sur un gun, hein, on a l'habitude. Donc je vais lubrifier ça, je vais regarder les différents réglages, voir ce qu'on peut faire avec. Et une fois que j'aurai tout compris tout ça, je reviendrai pour une deuxième partie de vidéo où je vous montrerai exactement comment on règle tout ça. Allez, à bientôt. Bienvenue dans la suite de cette vidéo sur le Gun 14. Donc dans un premier temps, j'ai fait l'unboxing pour voir ce qu'il y avait dans la boîte et tout ça. Et je vous avais dit que j'allais regarder comment se font les réglages, histoire de savoir un peu de quoi je parle. Donc là, ça fait 2-3 jours que je l'ai. J'ai fait à peu près 200 solves avec, j'ai pu le régler et donc je vais être capable de vous montrer comment se font les réglages. En fin de vidéo, je vous dirai ce que j'en pense un petit peu, tout en sachant que ça reste tout en relatif, hein, parce que moi peut-être que je l'aime et que ça va devenir mon main, mais c'est pas parce que c'est mon main qu'il faut que ça va devenir le vôtre, et c'est pas parce que je l'aime pas que vous n'allez pas l'aimer, enfin bref, voilà. Vous savez, ceux qui me connaissent un peu, que j'aime pas trop donner mes avis sur les cubes parce que ça reste quand même assez anecdotique. À chacun son ressenti, à chacun son feeling. Allez. Bon, la boîte, hein, j'adore. Le cube. Alors, au niveau des réglages. Déjà, premièrement, il y a un réglage des aimants. Alors ça, on retrouve ce qu'il y avait déjà sur le Gun 12 où on pouvait changer les arêtes de coin. Pardon, excusez-moi, je cherchais la pièce. On pouvait changer les aimants de coin. Donc avec le petit outil qui est fourni dans la boîte, là, vous venez prendre l'aimant, comme ça, vous l'enfilez bien, et hop, on fait juste un petit tour, et on peut enlever ce petit aimant. Voilà. En sachant que ceux qui sont fournis dans la boîte sont les aimants les plus forts. Dans le cube, sont les aimants les plus forts, les blancs. Et vous avez des aimants un petit peu plus légers qui sont en dessous de la boîte. Donc on l'ouvre comme ça, on fait attention parce que c'est un peu galère. Ces aimants, après, ils s'attirent les uns les autres et ils sortent et après, il faut tout arranger. Voilà. Donc là-dedans, vous avez les aimants bleus qui sont un peu moins forts. Donc si vous voulez des aimants un petit peu moins forts, vous enlevez ceux qui sont là et vous mettez les bleus à la place, la manière dont je vous ai mis. Et ensuite, donc vous pouvez régler, vous prenez le petit outil ici, qu'on connaît depuis le Gun 13, et ici vous pouvez régler, ouh, je fais tomber mon téléphone, la puissance de l'aimant. Alors je vous cache pas que même si on n'est pas à travers le téléphone, pour voir le numéro qui est dedans, c'est un peu galère. Avec Thierry on a un petit peu rigolé, en plus avec nos âges avancés on était obligé de sortir des lunettes. Moi des fois je suis obligé carrément de faire une photo, de faire un zoom pour voir. Je l'ai réglé moi sur le 6, alors en sachant que vous tournez comme ça, je ne vais pas le faire pour ne pas dérégler le mien. Vous poussez dans le sens anti-horaire. Clac. Et donc, plus le chiffre est grand, plus l'aimant est fort. Moi, finalement, sur mon Tornado V3, il est réglé à moitié de la puissance des aimants. Sur le Gun 13, je suis revenu à les aimants au plus fort. Je trouvais que ça lui donnait plus de stabilité. Donc là, vous avez 6 possibilités. Et en changeant, en mettant les aimants bleus, 6 autres possibilités.
Donc là, moi, je suis vraiment sur ce qui se fait de plus fort au niveau des aimants. Ensuite, vous avez une petite nouveauté, ce sont les aimants d'arête. Je vais vous montrer là. Donc, les aimants d'arête qui sont en trois crans. Moi, je les ai laissés au plus fort. Et vous pouvez mettre intermédiaire ou au plus léger en bas. Voilà. Non, je ne vais pas changer. Là, j'ai mis au plus bas. Donc, c'est l'aimant le moins fort. Et celui-là, c'est l'aimant le plus fort. Pour être franc, je n'ai pas trop trouvé trop de différence en passant de l'un à l'autre. Autant en changeant la puissance de ces aimants, tu sens vraiment la différence. Autant là, c'était pas flagrant. Donc voilà en ce qui concerne les réglages des aimants. Donc mine de rien, ça fait déjà 6 possibilités avec celui-là, 6 possibilités avec celui-là, plus les 3 possibilités avec ça. C'est comme ça qu'ils arrivent à leurs 1296 possibilités de réglage. Déjà, rien qu'en réglant la force des aimants, vous avez déjà un sacré gros panel de possibilités possibles. Bon, pour être franc, c'est compliqué de vraiment jouer. Je pense pas que ça joue énorme entre très fort ou pas fort. Je pense qu'avoir 3-4 crans, ça serait suffisant. En avoir autant, je suis pas sûr que ce soit très utile. Par contre, c'est vraiment un gros reproche que je fais à tous les derniers cubes Moyu qui sont sortis, où il n'y a pas de réglage d'aimant et tu prends la force qu'ils ont voulu mettre. Et si ça ne te convient pas, ben, tant pis pour toi. Tu es obligé de faire avec la force des aimants qu'ils t'ont donné, vu que tu peux pas les régler. Là, c'est quand même un avantage, tu peux les régler. Ensuite, au niveau du réglage, c'est le même système que sur un GAN 13 maintenant. On peut soit faire. Donc, il y a la petite molette du bas, c'est pour régler la tension, donc l'écartement entre la pièce du centre et le corps et le centre. Donc, c'est l'espace entre les deux. Il y a 6 crans dessus. Pour ça, pour les réglages, je ne sais pas si mon téléphone va réussir à bien faire le zoom. Vous avez dans la pièce, ça se voit pas bien, je suis désolé, j'ai pas le matériel adéquat pour ça. Il y a une petite rainure en haut et en bas qui indique à quel cran vous avez réglé. Quand vous le tournez, clic, 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 ça amène. Moi, celui-là, j'ai réglé sur le 5. Alors, plus le chiffre est grand et plus le cube est serré. Alors, c'est assez étonnant parce que moi, je suis sur 5, donc quasiment au plus fort. Et mon cube reste quand même, et j'ai un feeling assez desserré avec. Voilà. La nouveauté du GAN 14, c'est que au lieu d'utiliser ces pièces-là, vous pouvez utiliser ce petit outil. Alors pour celui-là, il faut utiliser le côté où il y a deux crans comme ça. On les voit bien là, les deux crans. Vous l'enfilez dedans et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Ben, je vous remonterai. Moi, je suis sur le 5 et quand on arrive sur le premier cran, ça fait un gros clic. Donc là, je suis passé à 6. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie. Et c'est bon, je suis bien revenu sur le 5. Et maintenant, l'autre réglage, c'est pour régler l'écart entre les. C'est un maglev, hein, donc c'est un système de ressort qui compresse la pièce comme ça, qui la maintient serrée. Et donc ça, c'est pour régler la distance entre les deux ressorts. Donc plus vous resserrez, forcément, plus la pièce sera maintenue contre le cube. Alors là, c'est plus le chiffre est grand et plus le cube sera desserré. Moi, ça se voit pas. Si, peut-être qu'on va le voir. Mais je l'ai réglé sur le 3, le intermédiaire. Alors là, vous utilisez cet outil. Avec l'autre côté, il y a trois petits crans qui vont venir dans les trois petites rainures. Vous les calez dedans et vous les tournez cac 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 jusqu'à aller sur le chiffre que vous voulez. Au début, j'avais pas mal desserré, donc j'avais mis à 6, 5 et c'était vraiment trop desserré. J'avais des twists dans tous les sens, donc j'ai resserré à 3. Et maintenant, je trouve que j'ai un combo qui est assez sympa. Le cube reste quand même assez desserré, mais tout en restant pas mal contrôlable. Mais pour ça, j'ai dû mettre les aimants à fond, parce que si j'avais baissé un peu les aimants comme je l'ai fait sur mon Tornado, personnellement, je trouvais beaucoup moins contrôlable. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça va devenir mon main? Je sais pas. J'ai fait pas mal de sol avec. Je vous cache pas que je suis plutôt emballé, hein. J'ai fait pas mal de bon temps avec.
Et il est très rapide, j'ai pas de lock-up, j'ai pas beaucoup de blocage. Pour moi, ça reste un cube excellentissime. Bien meilleur que n'était Gant 13. Pour moi, il est au-dessus de tous les Moyu qui sont sortis. J'ai du mal à comprendre la folie des Moyu. Les Moyu, je les utilise hein, notamment dans mon club de Rubik's Cube, les RSM3 2020, qui sont très bien pour leur prix. Franchement, à 10 euros, forcément, tu peux pas faire mieux, vu que moi, j'en ai besoin de 50 pour mon club. Pour investir dedans, c'est pratique. Mais après, j'ai testé le Super RS3M, le WRM9, enfin tous les derniers Moyu, et moi, perso, j'arrive pas à accrocher. Alors, je pense qu'il doit être bien, vu qu'il y en a quand même plein qui le font. Personnellement, le Gant 14, pour moi, est clairement au-dessus. Mais c'est mes goûts à moi. Mais je le préfère. En plus, il est ultra paramétrable, et rien que ne serait-ce tous les réglages d'aimant, ça, je pense que Moyu doivent s'arrêter de passer à côté et nous proposer un réglage des aimants, parce qu'on doit pouvoir régler la manière qu'on aime le plus au niveau des aimants. Alors pourquoi je ne sais pas si ça va venir mon main, mais pourquoi? Ben parce que mon Tornado V3, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai fait une version hybride, donc c'est un UV aussi, comme le Gant 14, une finition UV. Seulement j'ai gardé les pièces internes de mon ancien Tornado V3 Pioneer. Et je sais pas, j'ai un feeling avec ce cube qui est absolument monumental. J'ai beaucoup de mal à trouver une sensation aussi satisfaisante sur un autre cube. Et pourtant, quand je fais des temps avec le Gant 14 ou avec le Tornado V3, mes temps sont similaires. Hein, ça ne me fait pas gagner de temps. De toute façon, il ne faut pas vous dire je vais acheter un Gant 14 et je vais passer sub 10. C'est votre travail qui vous fera progresser au niveau des temps. Ce n'est pas le cube que vous utilisez. Mais il faut que le cube, ça reste un plaisir. Moi, je sais que ça me fait plaisir d'acheter des nouveaux cubes, de les tester. C'est un kiff que j'aime bien. Et il faut que vous ayez un feeling avec. Ben moi, le feeling que j'ai avec le Tornado V3 Pioneer est juste incroyable. Donc je sais pas si un jour je changerai de cube ou il faudra vraiment qu'il sorte un cube particulier, peut-être un Tornado V4 qui serait encore mieux et qui me ferait basculer. Lui, il m'avait fait basculer du Gant 13 à lui parce que effectivement, j'avais sorti de boîte, j'avais pas trouvé exceptionnel, et puis j'étais revenu un peu dessus et je battais tous mes records avec. Je faisais mes temps descendaient vraiment, et donc je suis parti dessus. Et j'ai un feeling avec qui est exceptionnel, voilà, que je retrouve pas forcément avec le Gant 14, mais je vais continuer à l'utiliser et on va voir parce que ça reste quand même un cube vraiment bon que je recommande à tous ceux qui ont le budget, qui ont envie, qui aiment les GAN. Si vous aimez les GAN, allez-y les yeux fermés. Vous ne serez pas déçus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous en avez. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.